Salut, c'est Créabilou, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un mini-album, donc la forme est étoile, donc un mini-album étoile. Donc, vous connaissez tous hein, ce genre d'album. Seulement là, je l'ai fait à thème. C'est donc pour une amie qui est assez fan d'une série. Et donc, je voulais lui faire plaisir pour son anniversaire et lui faire un petit cadeau sur le thème donc de cette série. Donc, ceux qui la connaissent vont reconnaître, bien entendu. Ceux qui la connaissent pas, bon, mais voilà, ça vous fera peut-être ça vous fera peut-être découvrir l'environnement un peu de la série. Voilà. Donc, je vais vous montrer sans plus tarder ce que j'ai fait. Donc, voilà, bon, ben. Ceux qui connaissent un peu les diminutifs donc de ces lettres, en fait, c'est sur la série Game of Thrones. Voilà. Donc, voilà, je vous le présente. Donc, la personne s'appelle Elodie. Hein, je vous le montre. Dans tous les cas, la vidéo sera publiée quand je lui aurai donné. Voilà. Donc, j'ai fait la couverture en fourrure, hein, parce que voilà, dans la série. Il porte souvent des grosses fourrures et tout ça, donc c'est de la fourrure. En fait, c'est un plaid que j'avais acheté à Action où je m'étais servi pour recouvrir l'arbre à chat de mon chat, et donc il m'en restait un petit bout. Et du coup, j'ai profité pour m'en servir en fait pour faire la couverture de l'album. Voilà, donc qui se présente comme ça. Alors, je suis un petit peu hop. Voilà, donc j'ai mis un embellissement en bois donc de chez Action que j'ai colorisé en marron. J'ai voulu faire quelques touches de bleu parce que les photos dedans ressortent un petit peu bleu pour certaines. Voilà, hein. Donc du coup j'ai mis une petite touche de bleu, donc je les ai colorisées. J'ai pas mis le nom de la série en entier. Parce que voilà, je trouvais que comme ça, vous savez, comme c'est un album étoile qui doit se retrouver, il faut pas trop mettre d'épaisseur sur le là. Donc déjà, il y avait la fourrure. Donc là, j'ai mis, je vais essayer de vous montrer, mais là, j'ai mis du craft pour la cartonnette. Donc voilà, j'ai juste voulu mettre des embellissements en bois. Donc, et là, j'ai fait le contre, l'inverse en fait. Hein, j'ai mis l'embellissement en bois en bleu et donc son prénom que j'ai colorisé en marron. J'avais en récup un espèce de bouton en forme de pièce. Je trouvais pas trop quoi mettre. Alors, ça sera peut-être pas forcément le thème hein, de truc, mais je trouvais ça sympathique. Je trouvais que ça allait bien, donc je l'ai collé à la colle chaude. Donc, c'est à la base un bouton en forme de pièce. Voilà, donc je l'ai mis ici. L'album est fermé avec de la corde. Hein, voilà, je trouvais l'ensemble qui allait pas trop mal. Et au derrière, j'ai juste mis donc une photo que j'ai découpée donc du fameux trône de fer. Et donc bon, j'ai mis ma signature. Et là, j'ai laissé la cartonnette. Donc c'est la cartonnette hein, en récup que j'avais, que j'ai recouvert de papier craft. Et donc j'ai mis juste le siège et j'ai laissé ce côté-là couleur cartonnette. Vous voyez, dessous là aussi c'est la cartonnette. Voilà, donc la fourrure, hein, ça a un effet un petit peu tout doux. Donc je vais vous l'ouvrir pour montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, hop. Donc quand on l'ouvre. Alors, je vais vous le montrer, je vais remonter un petit peu la caméra. Je vais essayer de vous le montrer, hop, juste pour vous montrer. Donc, du coup, il se déplie comme ça. Hein. Donc, j'attache le bout. Voilà, hop. Donc, ça nous forme une étoile. Voilà, hein. Donc je vais me mettre au début. Hop. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas évident le fait qu'il soit en étoile. Voilà. Donc ce que j'ai fait, je vais vous retourner. Hop. Ici. En plus, il fait pas beau dehors, donc je suis obligée de mettre la lumière, ça va briller. Voilà. Donc j'ai fait une petite pochette ici. J'espère que vous allez arriver à voir correctement. J'ai fait une petite pochette ici, donc où j'ai mis un décor.
À l'intérieur, on va retrouver. Alors, je vais sortir. Hop. Donc, on va retrouver un tag. Voilà, avec des photos. Voilà. J'ai fait encore deux autres petits tags. Donc, je regardais dans les couleurs un petit peu marron et voilà. Donc, deux petits tags comme ça. Donc, ceux qui connaissent la série vont certainement. Reconnaître les personnages et donc j'ai sorti des petites cartes que j'ai imprimées sur le nom des maisons des grandes familles de la série. Voilà, donc tout le long de l'album, il y aura des petites cartes comme ça qu'elle pourra récupérer et à la fin, donc elle aura un petit jeu de. Enfin, c'est des cartes basiques, hein, juste avec le nom des séries. Donc je remets tout ça dans la pochette. Donc les tags seront avec des formes un petit peu différentes. Voilà. Donc la première image, nous avons le personnage Aria, hein, avec un petit embellissement là. Voilà. Ensuite on tourne ici. Après c'est le même principe, hein. Donc nous avons un autre personnage avec des petits stickers, hein, qui reprend un petit peu le thème, hein, de la série. Donc j'ai voulu faire un petit peu de bleu là parce que voilà, le thème c'est aussi un peu winter coming, donc l'hiver vient. Donc j'ai voulu mettre un petit peu de bleu pour le froid. Voilà, donc là on a une petite image de Winterfell, c'est un des villages ou des royaumes où ça se passe. Et c'est pareil, donc nous avons encore trois cartes ici. Voilà, hop, on a encore un personnage, un autre. Je vous dis, il pleut chez nous depuis plusieurs jours et c'est l'enfer. Je suis obligée de mettre la lumière. Un petit personnage. Et puis là, nous avons un petit tag. Voilà. Avec le trône de fer. Voilà. J'essaie de vous tourner ça au mieux. Et petite carte. Voilà, hop, donc on tourne. Hop. Là, nous avons un des acteurs principaux, acteur principal. Bon, désolé, hein, pour la faute. Donc, Jon Snow, hein. Voilà, donc c'est pareil. J'ai mis l'image, j'ai mis donc le titre de la série, bien entendu. Là, j'ai mis un tag. Oh, je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est pas terrible. Mais ah, j'aurai pas le temps de vous la tourner à un autre moment dans la vidéo. Donc voilà. Voilà, là c'est pareil. On a un tag avec le nom de la série, un personnage. Hop. Donc le Jon Snow. Daenerys. Voilà, donc les cartes encore, hein, des familles, je vous montre pas. Hop. Voilà, on tourne la suivante. Donc nous avons la main du roi. Voilà, le mur. Ici, on a quelques extraits. Je sais pas comment vous montrer, c'est pas terrible. On a quelques extraits du film, une image avec les frères et sœurs Stark. On a donc la main du roi, les frangins Lannister, les frangins Stark et Jon Snow. Alors, il y a un petit peu plus de Jon Snow parce que on va pas se mentir, c'est un peu son favori. Et puis bon, voilà. Donc là, nous avons la reine, la maman des dragons, la reine, la Khaleesi, Daenerys. Donc là, nous avons un marcheur.
Et puis une scène du film, une scène culte. Je vous la montre vite fait parce que bon, voilà. Nous avons les dragons avec Daenerys, un des dragons qui est devenu méchant, un dragon avec Jon Snow et Daenerys et Jon Snow. Voilà. Donc là, j'ai mis, je vous dis, c'est pas évident de montrer. Un petit die cut que j'ai imprimé et découpé, donc que j'ai mis en 3D. Donc tout le long, hein, j'ai mis un petit peu des espèces de stickers que j'ai imprimés, hein, bien entendu, que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc là, on a aussi un tag avec les grandes familles de la série. Là, pareil. Là, nous avons encore un personnage. Deux autres personnages. Voilà. Donc je les ai mis un petit peu aléatoirement, pas nécessairement dans l'ordre ou autre, justement, parce que je trouve que c'est sympa. Voilà. Les dragons. Et donc, Cersei, Lannister. Voilà, je trouve ça sympa. Voilà. Donc voilà pour cet album étoile. J'essaie de me reculer un petit peu pour vous montrer. Hop. C'est pas évident du coup à vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc du coup, elle peut le poser comme ça lui fera un souvenir. Comme je vous dis, c'est vraiment une grande fan de la série. Donc elle pourra le poser comme ça si elle le souhaite. Donc voilà, en fait c'est l'album étoile, j'ai juste rajouté des pochettes. Alors je me suis inspirée de plusieurs tutos, hein, je vais pas, il y en a plusieurs, hein, sur internet il y en a plusieurs. Donc moi j'avais déjà fait un album étoile, je vous mettrai le lien, alors complètement différent, dans les tons rouges, et il n'y avait pas des pochettes, donc c'était vraiment l'album étoile de base. Je vous remettrai le lien, vous le verrez un peu plus haut. Donc voilà, j'en avais déjà fait un pour un anniversaire aussi, mais pas du tout le même thème. Là, c'est vraiment un album qui correspond, donc qui est par rapport à la série. Voilà, et j'ai trouvé ça sympa de le mettre, de mettre donc la fourrure. Et donc, alors elle peut le mettre aussi comme ça si elle le souhaite. Je vais rebaisser un petit peu la caméra. Voilà, donc elle peut aussi le mettre comme ça si elle le souhaite. Voilà, en demi. Voilà, après c'est à elle de voir, elle fait comme elle veut ou elle peut le garder. Voilà. Elle peut le mettre comme ça. Ou bien elle le referme et elle le garde en souvenir. En tout cas, j'espère que cet album lui plaira. Alors c'est, comme je vous dis, c'est vraiment une grande fan. Alors c'est pas évident de se projeter dessus. Bon, moi aussi j'ai bien aimé la série, c'est pas le problème. J'ai beaucoup apprécié cette série aussi, mais voilà. Donc ça, c'est pour l'album. Et donc j'ai fait une carte à côté, je vais vous montrer. Hop. Alors une carte toute simple, hein, voilà, où je reprends l'acteur donc de Jon Snow. Un peu plus, alors, voilà, la carte est très très simple, hein. Elle est blanche, c'est une carte toute blanche où j'ai mis mon mot à l'intérieur. Hop, voilà. Voilà, c'est vraiment une carte toute simple. Voilà, j'ai juste là, j'ai voulu la faire. Je me suis basée donc sur la photo qui est noir et blanc, hein. Voilà, j'ai juste fait un matage où j'ai mis la photo là. J'ai pris une agrafeuse d'angle. Voilà, exprès pour les photos. Voilà, j'ai juste remis un petit écusson et une fausse couture tout autour et un joyeux anniversaire. Voilà, juste pour rester un petit peu dans le thème du cadeau. Donc voilà, et ça c'est la carte qui ira avec. Voilà. Donc voilà pour cet album. Donc, et cette carte. Hein, hop, je suis pas du tout dans le centre. Je vais essayer de vous remettre bien correctement. Donc voilà pour cet album et cette carte. J'espère que ben, ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, comme d'habitude, je me suis régalée à le faire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet album vous donnera l'idée, hein, pour une amie fan d'une série d'enfer. Voilà, donc dites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si ceux qui connaissent la série pensent que je suis restée à peu près dans le thème. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis de passer une bonne journée, de prendre soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!